Bienvenue sur ce 22e épisode sur The Last of Us, et rappelez-vous, on s'était quitté au stand de tir où on avait mis la raclée à Manny. Enfin la raclée, il me semble que ça se jouait à On arrive 3 à la points. base. Il reste des munitions si vous voulez. On va prendre quelques munitions tant qu'à faire. C'est gratos, hein. Ah oui, il y en a plein. Vas-y, on recharge. Par contre, c'est pas beaucoup, juste 18. 18 et 16. C'est très peu. Tiens, c'est quoi cette arme là? C'est une halter? Tuyau explosif. Ah, ça peut être cool. Oui, oui, c'est qui le gentil chien? Non, toi aussi tu m'as manqué. C'est Owen. Je me demande si Owen et Mel sont vraiment décédés dans l'aquarium. Hé, hey, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pourrez papoter. Ah ouais, elle est bien bien enceinte hein. Par rapport à l'aquarium. Je sais même pas pourquoi il la laisse partir. Gracias. T'arrives à dormir en ce moment? Pas trop. Tu veux que je te trouve quelque chose à la pharmacie? Non, ça va. C'est pas grand chose. Non, j'ai juste besoin de me fatiguer. J'ai pris plein de missions supplémentaires. Toi et Owen. Comment ça? Non. Ça me fait penser au début de Skyrim. Salut, Manny. Vous allez où? Aux deux. Camion S24 au secteur 2. Que ta vie soit là. Et que ta mort soit rapide. On a perdu une poserie. Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. Pêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi et Owen? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire, mais on s'évite l'un l'autre. Jackson l'a marqué. Tu sais, c'est peut-être que ça. Oh merde! Embuscade! Accrochez-vous! Tuez les wolves! Ils attendaient. Ouais. Butez-les! Mais on fait quoi, à ton avis? Rapprochez-vous! Descendez-les! J'essaie! Vas-y, contournez-les! Ah bah c'est bien, moi j'ai utilisé aucune balle. Par contre c'était dur hein. Je sais pas trop ce qu'elle a comme fusil. Je sais pas ce qu'elle a. Allez, mais ça avait l'air d'être du coup la par zone. Coup. Ok. Et ouais, mais là pour le coup c'est justifié pour le fait de que les Scars nous attaquent. Parce que là on est vraiment wolf. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai ramassé?
Ah, une pièce, ok. Ah ouais, d'accord. C'est les pièces de chaque état, c'est ça? Ça va être cool. Et le matos pour fabriquer un tuyau explosif. Trop bien. Genre en un nouveau tuto. Non, ça va aller. Ok, tuyau explosif. Explose dans un bref délai. Ah d'accord. Ça explose pas direct. Faut le savoir. Donc c'est pas vraiment des grenades qu'on pourrait dégoupiller et balancer direct. Il doit se passer quelque chose derrière ce rideau. Les gars, on a de l'accompagner. Désinfecté. On va peut-être enlever la lumière. Je sais pas trop où ça se situe. Ce serait cool qu'on se fasse pas choper. Même si en soi... Putain, il m'a fait peur. Il est pire que Dina, lui. On y va tout doux. Voilà. Ah ouais, fait vraiment ça à main nue, elle. Faut les cramer. Fais attention. Allez, c'est parti. C'est assez sensible. Bizarrement, je me sens pas en danger. Ouais. La voix est libre. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. En fait, vu qu'on a trois alliés, bah j'ai vraiment l'impression d'être protégé, quoi. Eh, regardez là-haut. On voit de la lumière. C'est peut-être une sortie. Je vais monter pour voir ce que c'est. Ouais. Bah par là peut-être. Non. Là. C'est parti. Ouais. Pourquoi pas. Je sais pas trop où je vais, hein. Ouais, c'est bien ça. Très bien même. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Bah, de la santé, bien entendu. Ce serait drôle qu'en fait sa santé augmente vraiment et que lorsqu'on va la combattre en dirigeant Ellie, qu'elle ait plus de santé aussi. Enfin, ce serait drôle vite fait, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est là-bas. Mais je suis pas sûr. On va essayer. Abby! Abby! Tiens bon! Là quand même. On continue. Ah, je suis mort là. Waouh. Ah, c'est parti en cacahuète beaucoup trop vite là. Putain, quel délire! On continue, mais on va où? Ah!
Oh la vache, c'est dur hein. Ok. Ça a l'air d'être bon. Pouh. Rien de cassé? Ça va. C'était pas facile hein. J'ai plus beaucoup de munitions. Pas moi non plus. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde. Ouais. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Manny. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me plais bien, toi. Mais dans un mois, peut-être que tu iras plus sur le terrain, surtout. Ah, pas mal, okay. Ici. Abby, c'est très... ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées, ici. C'est pas faux. C'est très végétal, quoi. Vous savez quoi, hein. C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, Manny. Vous voyez, ça marche. Petit shilling. T'en as trouvé une autre? Ouais. Massachusetts. Je sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Peut-être plus tard. D'ailleurs, ça me rappelle un rêve. Cette boutique, ce magasin-là. Ça me rappelle un rêve que j'avais raconté à un pote. Et depuis, c'est devenu... c'est devenu une private joke. Je peux pas vous la raconter, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais... Non. Je risque des poursuites. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, c'est par là. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs, en tout cas. La base est droit devant. Pas de scar en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Tintin. Bon, vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scars? Bah non. Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Ah, il y a eu une trêve. Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est le problème. Ah, on a quelque chose ici. Comment faire? Tu peux sauter jusqu'à là? Manny, va voir en haut. J'y vais. Je me disais, elle est forte, mais quand même. Bon, bah, avec Mel, on va se faire attaquer. Typique, parce que on c'est une zone fermée. Côté de la clôture. On coupe par l'intérieur. Câble est coincé, on dirait. Proposé, Manny. Non, je suis juste énervé. Bon, on n'a pas grand chose. Il nous a ouvert la porte ou quoi? C'est bon. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Ah, donc on va vraiment péter la porte. Ouais. Ah non, ok. Ah ouais, c'est pas facile, hein, des fois, de réfléchir. Ça demande du courage, hein. Elle monte bien. Je sais pas si elle a une formation militaire, peut-être, chez les Lucioles. Bon, Mel, elle va se faire dézinguer avec le chien, là. Alors ? Toujours pas de scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Tu te crois drôle ? En même temps, en vue... Non, juste optimiste. En vue, tu vois rien du tout ici. Hein. Putain. C'est vachement haut. Ouais, c'est clair. C'est pour parti. Ça qu'on a une corde. Ok. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Ouais, bah tu vas attendre. Parce qu'on fouille. On va pas te laisser des ressources. Rien du tout. Bon, Manny, c'est ça de manger trop de burritos, là. Hein. Ah d'accord, il est déjà là. Il s'est téléporté. Le frérot espagnolo, là.
Donc c'est ça qui bloque la porte. Ah non, c'est... faire long. C'est celle-ci. Oui, ça fait long, mais c'est... T'inquiète, tout va bien. Bah, j'ai l'impression d'avoir tout fouillé. On va pouvoir lui ouvrir. Le offrir peut-être. Regarde ça, à main nue. Sans manie. Ok, c'est bon, vite. Faut que ça te retombe pas sur la tête. Merci. De rien. Elle est vraiment dégueu. Hein. On dirait qu'elle s'est fait taper par Owen ou je sais pas quoi là. Elle m'inspire pas confiance là-dessus. Enfin, disons que la face de l'aquarium là, elle avait l'air en meilleure santé. Qu'est-ce que tu veux toi? C'est peut-être oh. Par là. Regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle un entrepôt. Faudra qu'on revienne dans le coin. Le commandement réclame sans cesse des pièces détachées. Putain, c'est trop grand. Comment tu veux que je fouille tout ça, moi? Y'a trop de trucs partout. J'ai même des mains dans le dos maintenant. Ah, pas mal ça. Trois tirs aussi. Ils auraient pu nous faire quand même des capacités. Comment dire, qu'on puisse utiliser avec les deux personnages. Genre bah, l'amélioration du silencieux par exemple. Alors ça, clairement, si on peut faire une petite cadence là, rafale. Stabilité ou ça? On va faire ça. Puis la prochaine fois on fera la stabilité. C'est le problème avec les longs canons. Ça part souvent très très vite. Elle est bien comme arme. Hein. Propre. Très très propre tout ça. Ok, alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça pour ouvrir. Ah, j'ai déjà manipulé un truc comme ça. C'est une galère. Enfin, faut s'y faire quoi. Comment ça, plein? Ah ouais, putain, je peux rien faire. Faudrait que je puisse avoir des lames, des ciseaux peut-être. On en a sûrement ici. Vas-y, encore. Ah non, des explosifs. Ah mais là, ça demande 3 ressources. C'est balèze. J'aimerais bien lancer un pour voir ce que ça fait. Mais on va les garder. Juste au cas où, tu sais. Ça c'est pourquoi. On va pas escalader ici quand même. Attendez. Il y avait un étage. On va aller voir. Enfin, il y a toujours l'étage d'ailleurs. Ah ouais, on aurait pu passer à côté de pas mal de choses. Pas ici, mais là. Des petits stimulants. Petits stimulants, voilà, je l'ai dit. Ah ouais, on est dans la blague lourde. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, gauche-droite. Ah bien, c'est ce que je voulais en plus. Alors elle, à mon avis, avec une arme comme ça... là, elle te renvoie... Tu vois le mur d'infecté dans World War Z? Alors elle... sans problème, hein. Sans problème, je te dis. Bon allez, on va ouvrir le petit portail. En espérant que ça fasse pas trop de bruit. Ok. Allez-y, je tiens. Je vais la bloquer avec un truc. Mais merde. Chier, désolé. Est-ce que ça va? Ouais, la poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas. On va trouver un moyen de grimper sur le toit. Je croyais qu'on devait foutre le feu à ce truc. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Non, pas. Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de pas avoir été là pour vous aider. Mais comment on fait? Dis, pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson. Je sais pas. Je crois juste que... Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça? J'aurais préféré ne pas y être mêlée.
Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. Des tractions, c'est quoi ton plan? Une seconde! Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là. Ok, mais... Vas-y doucement. Tu vas sauter. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Ah, ouais. Ah non, nous on doit monter. Elle va nous débloquer une porte ou un truc du genre. Je crois avoir compris. Ouais. Voilà. Attention. Bon, on s'en est un peu rapproché. On a une petite échelle là. Mais où est-ce qu'on va? Peut-être sur le bateau. Ça paraît loin, mais en soi, on peut tenter, ouais. Hey, bien vu. C'est tout. Je croyais que t'avais un truc intéressant à dire. Par contre, avec la fissure là, ça va partir très très vite. Elle un peu celui d'Owen. Et maintenant? Il essaie encore de le réparer. Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours. Mais chacun son obsession. Comme moi et les jouets pour chiens. Ouais. Je pense que si je lance ça. C'est la con. Je trouve pas. Il y a peut-être un truc dans le bateau, carrément. Ah oui. Il y a une passerelle qui conduit à la lucarne. David contre Goliath. C'est pas grand chose, mais au moins on a un kit. Qu'est-ce qu'on peut s'améliorer là? Confection de surin. Ah. Ah ouais. Donc ça, c'est ce qui est étrange, c'est que genre le surin c'était avec Joël quoi. Et ça me sert à quoi? Et maintenant, on a une corde là. Oui, lancer la corde par-dessus la passerelle. Ah, c'était ça! Et là, ça va être assez long. Oula! Bah non, ça marche pas. Tu vois, même le jeu, il veut pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dois avoir un bug. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, cool. Et là, ça marche. Et du coup, on prend ça. D'accord, ok. Bah, je vais désactiver l'option. Parce que là, c'était exceptionnel. Hein. Franchement, en fait, le truc, je l'avais, si tu veux. Il fallait juste que je vois comment le lancer, on va dire. Donc, c'est de la... Ouais, vite fait de la triche, mais bon. Disons qu'il nous manquait juste l'exécution. Et là, on peut. Ok. Non, mais ça va partir en couille, c'est pas possible. Oh, c'est vachement haut. Fais voir. Ton vertige te joue des tours? Oh, surtout quand je regarde en bas. Ça va, hein. C'est elle qui fait ce bruit-là. C'est étrange de la voir apeurée. Cette machine de guerre là. Alors nous on est descendu pour remonter. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde, notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Ouais. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dure que tu le penses. Oh, arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. C'est très étrange leur fausse courtoisie, là. Genre, elle rigole comme s'il y avait des blagues énormes. C'est que de la politesse, ça. Et je pensais que dans un monde...
comme celui-ci, il n'y aurait plus vraiment de courbettes du genre. Parce que ça, c'est pas de la sympathie. Hein. Là, vous ne mourrez pas. C'est bien, ma fille. Il était temps que vous vous reparliez. Hop, moi je passe par là. C'est tranquille ici? Ouais, ça me plaît pas. Bon, on est presque à la base. Putain, quand on sera rentré, je vais me trouver un canapé, mater un film et picoler jusqu'à plus soif. Ah ouais? Picoler quoi? Oh, quel film? Bonne question. Le film, c'est celui... comment ça yama avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mezcal. Si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant. Enfin, si j'étais pas en cloque. Ouais. En train de fuir. J'ai vu que cette fenêtre pouvait se casser potentiellement. Voilà. Il y avait peut-être un chemin plus facile. Hein. J'aurais pu utiliser une bouteille aussi. Ouais. Tiens. Ok, intéressant. Maria? Ah non, Martha. J'ai cru que c'était un message de Tommy, genre... pourquoi il aurait laissé ça ici? Indiana. La police d'Indiana. Salut! Ça donne quoi? Il pourrait y avoir une planque d'armes dans le coin. Ah, ça me plaît. Comme un sous-neuf. Ok, j'ai eu toutes les pièces. C'est trop facile, les trophées de nos jours. Hein. Celui de The Last of Us. Ils nous ramèneront sur la route qui conduit à la base. Le platine a l'air plus facile. Je sais. Restez sur vos gardes. Il y a un moyen de franchir le mur? J'en ai pas l'impression. En plus... Chut. Silence. En voilà d'autres qui arrivent. Et ils sont où? Attends. J'ai cru voir quelqu'un là-bas, mais... Manny, il me pousse. Ok. Bon, ce serait étonnant que j'arrive à faire de la discrétion avec Abby. Quand j'y arrivais pas avec Ellie. Mmh. Pas mal de trucs. Ah, par contre, j'ai tellement peu de balles. Limite, vaut mieux y aller au silencieux, hein. Ok, putain, c'est hyper dur de viser, ils sont tellement loin. Ok, bah, t'as voulu lancer un truc? Eh bah, nous aussi. Dur à viser, hein. Putain, par contre, là, t'abuses. Ah, mais derrière nous, les gars. C'est qui est derrière? Ah, bien joué, ça. Par contre, niveau munitions, on n'est pas bien. Il est mort. Ok, ça a l'air de s'être calmé un tout petit peu. Ok, une brique. Tu veux vraiment pas me donner de balles?
C'est quoi ça? C'est quelqu'un, non? Attends. Voilà, mon pote. Par contre, j'ai plus rien. Ouvre l'œil sur notre gauche. Ok, bah ouais, mais je peux rien faire en fait. Donc, à moins de extrêmement bien viser. Non, on nous attaque. Ah ouais, mais c'était très mauvais ça. Bah écoute, je peux rien faire. On fouille la gare. On a de la visite. Je peux rien faire du tout. C'est génial. Ce qu'il faudrait, c'est un effet de surprise, mais là... Ah, merde, 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 merde. Bon, là, on est grillé dans tous les coins. Quoi? Non! Y'a des wolves ici! Je suis caché? Je t'attire! Ah, merde! Viens ici. Maudite wolf! Aide-moi, Mani. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que... Ah, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est très très drôle. Pour moi, en tout cas. Bon, alors. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Il est dans le coin, on est bien d'accord. Elle est dans le coin d'ailleurs. Putain, elle attire plus vite que moi. Ça a été meilleur là-dessus. Ok, on va un petit peu mieux se cacher. Mais le truc c'est que Mani il se met pile là où je veux me mettre à chaque fois. Vas-y. Elle a plus de munitions! Putain, j'ai réussi à l'esquiver avec mes balles, quoi. Abby, fais gaffe! Bah. Ouais. Qu'est-ce que je fais? On va se soigner, écoute. On va tenter un truc, hein. Voilà. Fallait le tenter, écoute. Non, par contre, c'est chaud. Niveau munitions. C'est fini. J'en vois pas d'autres. Allez, entraîne pas. Pourquoi là, on peut pas ramasser? On y va. Ils ont tellement des meilleures armes que nous. Enfin, que moi, en tout cas. C'est chaud. Hein. Très très chaud. Et je pense qu'on va s'arrêter. Ok, en fait, je pense qu'on va continuer un petit peu. J'avais prévu d'arrêter ici. Mais vu qu'on a passé pas mal de temps à chercher où lancer notre corde et tout ça, au final, je pense que je vais greffer ça dans l'épisode 22, à la place d'en faire un 23. Ça pourrait être cool. Ça peut être intéressant aussi pour vous, parce que sinon, ça va durer juste 20 minutes, j'imagine. Ce qui n'est pas très... Pourquoi j'irai ici, moi? Où est-ce qu'on va? Là? Ah non, ok, c'est de l'autre côté. Hé, en haut. C'est malin. Par contre, on est sûrement encore ici, ma belle. Poursuivi. Et peut-être qu'on va retourner dans le quartier où il y avait des fils partout là. Avec des explosifs et tout et tout. Ce serait ma hantise. On a encore un silencieux. Pour deux balles, ça vaut le coup. Ouais, bon, on a que ça. Tiens, tiens. Regardez, on y est presque. Ah, mais c'est l'hôtel. Par contre, il y a encore des méchants. Par ici. Pour
Chacun de mes gamins. Prêt ? Heureusement que vous étiez dans le coin. Une chance qu'on soit passé par là. On a entendu la fusillade. Oh putain ! Oh merde, ça va ? Ouais, je devrais m'en sortir. Je te tiens. Hé, hey, laisse-moi voir ta main. C'est bon. Comme d'habitude, les passages où je coupe mon micro, c'est pour vous éviter des désagréments auditifs. T'inquiète, on arrive bientôt. Ouvrez le portail! Laissez-les passer! Mel. Quoi? Ton dos. Serre aussi fort que possible, ok? Fais chier. Je l'ai même pas senti. Hé! Hey, on en a deux! Il a une blessure par balle, à la main. On dirait un compliment. Cours te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. Assise. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai? Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. C'est le premier truc sensé qu'elle a dit depuis bien longtemps. Cette beauté. Allez, viens, Fifi. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Hé, hey, merci. Moi, ces nouvelles recrues, je leur fais pas confiance. Merci encore, les gars. Hé, Manny, attends. Ok. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas parler? Ouais, je comprends. C'est difficile. Par contre, je me faisais la réflexion pendant qu'on était dans le camion. Vu qu'on est du côté des puissants, entre guillemets, genre on a une milice et tout, et nos seuls ennemis c'est les Scars, on craint presque rien en fait. Et j'ai pas ce sentiment de survie. Alors certes, j'ai pas beaucoup de munitions et tout ça, mais je me sens pas du tout en danger en fait. C'est comme si on avait joué des lucioles en fait. C'est très étrange à dire. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On va se faire sûrement encore une cinématique, après on se dira ciao ciao comme d'habitude. Au rapport. Salut vous deux. T'as quelque chose pour nous? Pas de mission. Vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux? Ouais. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. Hé, hey, mais je te reconnais, toi. T'es morte. Ouais. À propos de votre embuscade, c'est arrivé où? Quelque part, ici. Près des entrepôts. Oh, merde. Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac?
Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. La plupart ont quand même des gueules un peu dégueu, non? Ils ont l'air tout droit sortis du premier épisode. Salut, Whitney. Salut, Abby. Quoi de neuf? Tu sais ce qui se passe ici? J'aimerais bien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils envoient un groupe à l'hôpital. Pour du matos. Ah, super. Tu l'as dit. Arrête de regarder la caméra. Ouais. Il est cool ce jeu? Méga dur. Mais je suis accro. La musique est cool en plus. T'arrêtes pas pour moi surtout. Allez, bye. Ok. Bon, c'est jeune hein. Putain de jeu vidéo. C'est drôle. Ouais, je suis mort de rire moi aussi. Je sais pas si vous l'avez entendu dans le coin. Ah, on va enfin découvrir qui est Isaac. Je me suis bien amoché, hein, docteur? J'ai vu pire. Ne bouge pas. Salut, toi. Tu vas mieux? Les antidouleurs font effet, alors. Ça va. Tiens le coup. La main, ça va? Je vais garder la plupart de mes doigts. Le brossement a l'air propre. C'est douloureux. T'en as besoin que de trois. Tu crois pas? C'est ça. Donc en fait, on est à l'infirmerie, mais moi je pique des trucs devant tout le monde. Je sais. Manny s'est chargé de lui. Il lui a brisé la nuque. Mais... Ouais. Tiens, quand on parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel? Encore quelques points de suture, et je serai comme neuve. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre? Eh, hey, Mel. Détends-toi. Pigez. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main? Bien sûr. Tu bouges pas, hein? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Nora, est-ce que t'as pu te reposer un peu? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Comment va Mel? Réellement? Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire? Suivez-moi. Oh putain. Ce sont des gens de chez nous? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ne dites rien à Mel. C'est sympa de nous emmener ici en fait, hein? Enfin, pour l'instant. Venez. Y a qui là-dedans? Putain de merde. C'est Danny. Où est Owen? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Danny et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Danny effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinches scars, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... Autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen? T'as demandé à Isaac où il était? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors... Tenez-moi au courant, ok? D'accord. Merde. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Owen? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'arrive pas à m'attacher à ces personnages-là. C'est très étrange comme comme sentiment, mais limite je m'en fous quoi. Mais toi, on t'a déjà vu, c'est toi qui réparais la voiture. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Merci. Ah oh bah merde, regardez qui voilà. Ça va les gars? Tu veux faire une partie? Pas le temps. On vient voir Isaac. Tant pis pour toi, Freemer. J'y peux rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Alors, Isaac, sergent Foster. Ok, on vole ses notes. Cet endroit me manque pas. Putain. Ah, cette odeur. C'est des anciens scars. Ok, ok. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que c'est ça. Hein. Ça doit être des anciens scars. Et du coup, ça me rassure que ce soit pas. Que ce soit pas Tommy en fait. Salut, je peux prendre l'ascenseur s'il te plaît? Salut Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps? Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Le laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. Dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de notre côté. On a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi ? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand avec Danny? Qui te l'a dit, Nora? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout non. ça. On a quelques jours avant la tempête. Non. Cette chance ne se présentera qu'une fois.
Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenue avant l'aube, couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. Tiens, 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 comme par hasard. Je vais te tuer. Quoi? Je suis sérieuse, arrête, merde. D'accord. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici, et toi tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter, c'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit. Non. On peut en parler. Il est tard, Owen. Ouais. Il fait grand soleil, mais il est tard, hein, soi-disant. Ah, okay. Non. Non, arrête, c'est trop. Oh putain, t'as raison. Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen. Je t'ai toujours aimé. Non. Owen. Et on va s'arrêter ici pour ce 22e épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire. Eh ben non, il y en a toujours pas, j'adore cette blague. N'hésitez pas à activer la cloche et après vous êtes abonné pour ne rater aucune des prochaines vidéos et leurs notifications. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et on se dit à très très vite pour la suite. Ciao ciao.